Londine, le nouveau cimetière de Bastia et ses tombes en terrasse. C'était l'un des chantiers phares de l'ancienne municipalité. Mais ce lieu de mémoire devient un casse-tête pour l'équipe municipale en place et surtout un désastre mémoriel pour les Bastiais. Affaissement, fissures, tombes détériorées en raison de l'effondrement d'un mur. En 2015, il y a 3 ans, un expert est nommé par le tribunal administratif de Bastia. 3 ans plus tard, l'expert rend ses premières conclusions. Dans ce rapport dont nous nous sommes procurés des extraits, il pointe du doigt la qualité médiocre ou très mauvaise du béton utilisé et le danger que cela représente pour la solidité de l'ensemble des ouvrages. Des questions et un dépôt de plainte au pénal pour escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui, les services de la ville veulent comprendre. On n'est pas capable de déterminer si c'est de manière volontaire ou involontaire, et ça il n'appartient pas à la municipalité de le définir. Par contre, ce qui est clair, c'est que la municipalité a le sentiment que tout n'a pas été fait forcément conformément aux règles de l'art. Sinon, on ne serait pas en situation aujourd'hui, quoi. Les familles ont commencé à être prévenues par courrier et par téléphone. Une cellule d'accompagnement psychologique est mise en place, car dans les mesures conservatoires demandées, l'accès à une partie du cimetière est désormais condamné, comme le jardin des souvenirs, où des cendres sont déposées. Les 70 urnes du columbarium et une partie des 105 corps déjà inhumés devront être déplacés. Des travaux de renforcement seront entrepris. Les questions qui se posent sont sur la mise en œuvre des travaux ou la nature des matériaux utilisés ou les méthodes utilisées. Donc on ne sait pas déterminer aujourd'hui si ce sont des problèmes de conception ou de mise en œuvre des travaux. Et donc ça, il appartiendra à l'expert de le faire. Mais clairement, aujourd'hui, les ouvrages de soutènement étant impropres à leur destination, il convient de prendre des mesures conservatoires, d'urgence. Le crématorium reste, lui, en fonctionnement. Un groupement d'entrepreneurs avait réalisé les travaux entre 2011 et 2014. Parmi les entreprises, les principales sont le cabinet maître d'ouvrage Blasini, le comptoir de béton Corse et la SNC Vendaz. Son patron, joint par téléphone, nous indique que leur avocat va répondre par écrit à l'expert et à la mairie. Quant à l'opposition, elle reste prudente, mais reproche à la municipalité d'avoir tardé à réagir.